peinte avec le dos collé. J'en ai une il y a hier, avant-hier, hier. Non, ça avait dit que tu... Non, j'ai trempé les lèvres dedans, je l'ai pas bien. J'ai vu un coureur passer par la fenêtre. Et je me suis dit, putain, ça y est, c'est maintenant. Et donc là, c'est monté d'un coup. Donc j'ai le petit stress qui monte, je le sens, j'ai les mains qui tremblent. J'ai réussi à dormir, ce qui est très rare. D'habitude, j'arrive pas à dormir quand je fais semblant de faire la sieste comme ça. Donc je pense que je suis quand même un peu crevé, mais ça va aller. Dans les bobos, les pieds, c'est bon. La cuisse gauche, j'ai une vieille pique, mais je pense que ça devrait aller. Et le reste, il n'y a pas trop de bobos. Quoi. On verra. Je suis moins fort que l'année dernière, je pense. Mais c'est peut-être moi qui le pense, c'est tout ça. Faut pas perdre de temps, j'ai mis... Je me suis fait des ballots avec les trucs obligatoires à l'intérieur et j'ai mis qu'est-ce que c'était pour pouvoir ne pas avoir à me dire attends putain c'est quoi ça. Donc là j'ai bonnet, gants, collant et de l'autre côté seconde couche et pantalon imperméable. Idéalement refaire moins de 23 heures. Ça c'est le rêve absolu. Au-dessous de 25 heures, je suis très content. Au-dessus de 25 heures jusqu'à 27 heures, je suis content sans plus. Je ferai pas le fanfaron. Au-dessus de 27 heures, je bois une bière et je vais me coucher à l'arrivée. abandon, j'ai la rage absolue, donc ça me fera, ça m'amènera à être plus motivé pour la diagonale des fous, ce qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on doit faire au contamine? Les frontales. Moi, ça, je pense que je te le tendrai à la main ou sinon il sera dans le petit truc à la veste. Possible que je te le tende à la main, si je m'en rappelle. Voilà, ça a beaucoup choqué les voisins de table tout à l'heure. J'aimerais bien une grosse course de Ludo Pommeret, c'est genre la surprise, Ludo Pommeret qui gagne, ça me ferait plaisir. Ludo qui termine au sprint, il y avait Jim qui essaie de revenir et qui essaie de le reprendre depuis la flégère, ça serait magnifique. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va se marrer avec Hugo, on va regarder les autres et un peu rire de... Les nerfs, on était morts de rire quand on a vu Jim Wemsley arriver en collant, on a fait... Mais personne ne l'a prévenu, quoi, tu vois. Il faisait chaud. Le problème étant qu'une fois que t'es rentré, tu peux pas ressortir pour aller pisser. Ce qui est une vraie problématique. Encore plus quand on est une femme. Et je trouve que c'est abusé parce que je mets moins de 2 heures pour aller à Saint-Gervais, donc je sais pas quand je vais faire. Moins de 3 heures pour aller au Contamine, je sais pas quand je vais faire. Et je mets 4 heures pour être à la Balme. Nous voilà partis, la ligne de départ. Loïc ? Si tu veux y aller. Monsieur, à tout à l'heure. Donc là, je suis partie. Moi, donc, j'ai laissé Alex. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué l'année dernière. Le problème, c'est que pour des questions d'organisation, de route, de tout ce qu'on veut, je ne peux pas rester au départ. Je pense que comme il est quand même dans les avant-postes, vous devriez le voir, en espérant cette année qu'il ne fasse pas le kéké et qu'il n'arrive pas à la sortie de Chamonix le premier. Voilà. Je suis au Contamine, c'est une jolie petite église et sans ravito. Et je vous fais visiter, donc en fait là ce sera l'étape où les assistants valideront et auront le droit de rentrer 20 minutes avant. Ça c'est la zone d'assistance pour les coureurs entre guillemets normaux. Donc vous voyez, il y a des tables. Là c'est là que c'est un peu compliqué pour les Contamines, vous comprenez tout de suite, on n'a pas de grande table comme vous pourrez voir plus tard à Courmayeur, je vous ferai visiter aussi. Donc imaginez dans la nuit quand il y aura tout le monde. Et puis donc là c'est la tente assistance pour, et donc les médias puisque ce sont les seuls qui ont le droit de rentrer ici. Voilà. Donc, voilà comment c'est avant le gros bazar.
seulement la plus belle, ça c'est l'autre. Oh putain! Le virage piano à côté, c'est une kermesse. C'est bon, quoi. On sait, c'est de la folie absolue. C'est de la folie absolue à Notre-Dame de la Gorge. Un peu de temps, mais pas trop non plus. C'est tout ça le jeu du ravitaillement à Courmayeur. Alors, change-moi juste, il n'y a pas besoin de rajouter des pâtes, j'ai juste besoin. Non, non. Est-ce que tu peux choper, changer la lampe avec les deux qui sont. Allez, tu manges, tu peux pas changer ton t-shirt? Non, c'est moi, je suis bien. Il fait chaud. Chiant. Ah, mais il fait chaud. Juste par contre, j'ai oublié les pommes de terre. Pas de soucis, le riz, il en reste encore un peu. C'est sûr. Bouillon un peu. Allez, Alex. Allez, je passe ça. Ça, c'est fait. Non, il n'a pas pris assez de sel. Ok, super, formidable. Il n'a pas voulu se changer, il n'a pas voulu que je répare son sac, donc il n'est pas obéissant, et tout, c'est Alex. Non, ça va, il a l'air vachement bien, donc ça c'est plutôt rassurant, quoi. Et surtout, on a fait un ravito nettement plus rapide que la dernière fois. Enfin, l'année dernière, il s'était assis, il avait mangé et tout, quoi. Donc là, voilà. Par contre, ça va être long, quoi, maintenant. Champer, ça fait loin. Donc, bon, on va essayer de prendre plus de temps à champer pour qu'il mange plus. Allez, allez, allez! Allez, Alex! Allez, go! Super! Allez, allez, allez! Non, il n'y a pas de goût, allez, Alex! Vous pouvez le constater, il n'y a pas grand monde. Le
Là, il n'en est pas encore ouvert. Ils sont en train d'installer tranquillement. Le premier est attendu dans une heure, à peu près. Non, mais c'est quand même... Il y a des sneakers à Champélac. Bah, un peu normal, mais enfin d'un autre côté on est à Champé, donc c'est normal. Et normalement, j'espère avoir reboosté un peu. Et puis le fait peut-être de lui avoir dit qu'il y avait des gens à bouffer devant, ça peut réveiller l'instinct Pac-Man d'Alex. Donc maintenant on croise les doigts, mais de toute façon là il sait où il va, il fait jour, il va reprendre de la forme. Normalement, il sort de la nuit, donc là bon, on y croit. En tous les cas, moi j'y crois. J'aime déjà tout. C'est bien, c'est bien. Allez. Prends ton temps, mange bien, bois bien. Allez, on s'hydrate. Voilà comment Cécile prépare le riz. Ah, toujours du cul. Très 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 long. Ouais. Histoire de péter, m'embrasser, je m'en branle du café. Je veux juste finir. Super cool.
quelques secondes. Clap à Chamonix. Bah, cette UTMB 2023 se clôture, donc moi c'est mon quatrième UTMB. Encore une fois, je pense que j'ai appris plein de trucs. Pour l'instant, en fait, c'est... je sais que j'ai vécu quelque chose de gros, d'intense, mais ça a été... c'est tellement que bah, j'ai du mal là actuellement à me à avoir un regard, je pense, sérieux sur ma course et l'UTMB en soi. Ce que je sais, c'est que j'ai été énormément encouragé tout le long. Je suis habitué à aller casquette, mais là, ça a été un point hallucinant. Sur l'aspect sportif, très content parce que je sais ce que ça vaut en 23 heures sur l'UTMB, donc content, mais forcément, un truc que je montre pas trop de temps en temps ou qui se voit, mais je veux pas en parler, c'est... je suis perfectionniste et là on était plutôt sur un trend, sur une orbite avec Hugo avant le Grand Col Ferret. On était sur du 22h-22h10 en possibilité d'arriver à Chamonix, donc on a explosé tous les deux à deux moments différents et il m'a manqué le déclic que moi j'ai pu avoir en 2022, le truc qui te fait passer du mode ultra trailer au mode animal et il n'y a plus rien et juste je bombarde alors que j'ai plus rien. Ben, j'ai pas réussi à le déclencher, donc moi à partir de Champé j'ai fait popcorn et j'ai juste essayé de sauver les meubles, les enfants et les femmes d'abord ça a tenu, mais il y a une heure de trop par rapport à ce que j'aimerais pouvoir faire si je réussissais parfaitement sportivement la course. Donc il manque plus grand chose et maintenant la question c'est est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois revenir sur l'UTMB? Est-ce que je pourrais revenir? Parce qu'il va falloir se requalifier, je ne sais pas comment faire, j'ai pas de Rolling Stone qui traîne, je peux pas en ramasser dans le bois de Vincennes. Donc ça, peut-être si je pourrais pas revenir, j'ai quand même envie de revivre l'événement, donc soit faire l'assistance de quelqu'un, soit moi peut-être aller découvrir la TDS avant. Et on verra pour l'UTMB, on verra. Si je chope une qualif, je reviendrai, c'est sûr. Mais si je chope pas de qualif, il y a d'autres choses, il y a d'autres courses à faire à peu près au même moment. J'avais à nouveau Cécile cette année, donc on était encore un peu plus rodé, on a fait des courses de rodage avec du T4M et ça s'est très bien passé parce que l'objectif c'était de gagner du temps en ravitaillement cette année et on m'a dit tout à l'heure qu'au final j'avais passé 10 minutes et genre 30 secondes, donc de moins de 11 minutes d'arrêt sur toute la course, je me suis pas assis. Tout a été efficace parce que voilà, le but c'était de gagner du temps. Je pense que l'année dernière je vais passer 20-25 minutes et cette année j'en passe que 10, donc on a gagné un bon quart d'heure là-dessus. Pour conclure, ce qu'il faut garder en tête c'est que n'importe qui peut prendre le départ de l'UTMB. En fait, il suffit juste de réussir à choper le dossard et une fois qu'on a le dossard, 90% du job est fait. Donc moi ce que je recommanderais à tout le monde c'est d'essayer de tenter de s'inscrire à cette course. Parce que c'est un bloc de vie, c'est une expérience de vie. Moi là c'est tellement fort actuellement, on est dimanche, que je sais que je vais me trimballer encore pendant une ou deux semaines cette UTMB, que ça va me rester avec moi pendant un certain nombre de temps. Et c'est absolument quelque chose à vivre, que ce soit en tant que coureur ou peut-être qu'accompagnement. Donc ouais, si je vais conclure, c'est tenter de participer à ça parce que ça vaut le coup.